Well, good afternoon, everyone. I would like to welcome you all to our afternoon Sabbath program. We have had a wonderful experience last night as we came together as leadership on our Zoom platform. And indeed, God has blessed us. We focused on, Pastor Goya focused on commitment, and we left that Zoom session last night with a clear understanding of what it meant practically to be committed, that we need to trust God. And if we want to experience the power of God, we need to be obedient to God, regardless of the sacrifice. We are live on Facebook today. So most of you will be watching and are currently watching us live on Facebook. And we would like to welcome each and every one of our members from across the island. We want to encourage you all to join us for the full afternoon session. It's going to be a wonderful time of refreshing and renewal. God is going to speak to us and God is going to bless us. So we welcome you. We encourage you to invite your family to join you around the screen, whether you're on laptop or on iPad, tablet, or smartphone. Invite the family and friends to join us. If you have to send a message to somebody to get online, who may not be aware for some reason, we encourage you as well to let them know that they need to join us live on Facebook, and that is on our Facebook page, the Diocese Facebook page. So once again, welcome to all our live viewers from across the island. And I would like to once again today, for the benefit of those who were not with us yesterday, welcome Pastor Pavel Goya. And we are so glad that he has joined us. And for your benefit, Pastor Goya comes to us from what used to be communist Romania. He grew up under difficult experience, and his life took a proverbial turn. God had called him, but somehow he went his own way for a short period of time before coming back to the Lord and giving his heart fully to the Lord. I believe that there is a book called One Miracle After Another, the Pavel Goya story. If you have an interest in that book, we encourage you. I'm not sure if it's available online on Kindle or one of the apps, but that would be a wonderful book for you to purchase, to hear the testimony of Pastor Pavel Goya. And it's written by Greg Budd. Now, currently, at this point, I'm just going to ask our translator, Pastor Sandrine. Pastor Sandrine, are you with us? Yes, I'm here. All right. We almost forgot about you. So we are going to be reminding everyone that we are going to do the translation live. Okay. So it is not simultaneous translation today. It will be live translation. So I'm going to ask you to translate what I just said. Essentially, Apostle Pavel Goya comes from Romania, grew up under difficult circumstances. Alors, le pasteur Pavel Goya vient de Roumanie et il a grandi dans des circonstances difficiles. And that the events of his life can be read in the book One Miracle After Another, the Pavel Goya story by Greg Budd. Alors, toute son histoire, nous pouvons le lire dans le livre Greg Budd is the author of that particular book. Greg Budd a écrit le livre qui concerne sa vie. Today, Pastor Goya comes to us from the General Conference and is the editor for the Ministry Magazine.
Alors, le pasteur Pavel Goya nous vient de la conférence générale et c'est lui qui écrit les magazines. He is also the associate ministerial director of the General Conference. Alors, il est le directeur associé de la conférence générale. So, Pastor Boya specializes in not revivals, discipleship, leadership, prayer. These are topics that are of interest and very dear and near to his heart. And we were blessed last night. Alors, ses spécialisations sont concernant le réveil, la réforme, la prière. So, without further ado, I'm going to invite Pastor Julien right now to pray the opening prayer for us, to invite the presence of the Holy Spirit to touch and soften and prepare every viewer, every listener's heart, and also to pray for Pastor Goya. And then I'm going to hand over to Pastor Goya. Alors, pour l'instant, le pasteur Julien va commencer pour que nous puissions avoir des cœurs réceptifs à la parole de Dieu et que Dieu puisse diriger le pasteur qui va parler de sa part. Je vous invite à courber la tête pour la prière. Grand Dieu Père éternel, nous voulons te louer, te rendre grâce, de nous permettre de nous réunir à travers la technologie pour pouvoir écouter tes paroles édifiantes. Merci, Papa, de nous aider à mettre de côté tous les obstacles qui nous empêchent d'entendre ta parole. Prépare nos cœurs à être réceptifs à ton message afin que cela puisse bouleverser nos vies, Père éternel, et nous puissions être des témoins pour toi. Je te prie pour le prédicateur du jour, le pasteur Pavel Goya. Je te prie, Père, de le bénir abondamment et de le permettre de toujours prêcher ton message et de partager la bonne nouvelle avec ce zèle que tu lui as donné. Donne-lui, Père, l'intelligence, la sagesse, la patience et la détermination afin de toujours amener à bien ta mission. Je te prie de rester avec nous et de nous faire grâce. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Pastor Goya, welcome to you once again. The Lord bless you as you share with us. You will be doing a live translation with Pastor Sandrine. She will be with you. Bienvenue, Pasteur Pavel Goya. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir la traduction en direct. Elder Baxham, thank you so much for your introduction. Merci, Pasteur Baxham, pour votre introduction. And I want to thank all of you for the privilege to be with you. J'aimerais vous remercier pour le privilège d'être avec vous. Happy Sabbath, and I'm glad we are together, if not physically, at least through the technology. Alors, je suis heureux que nous puissions passer le sabbat ensemble, même si ce n'est pas physiquement, mais virtuellement. As we said, we are going to address some subjects that pertain everybody, from leader to member. Alors, nous allons toucher à des sujets qui concernent les directeurs, les dirigeants, aussi bien que les membres d'église. We believe that Jesus is coming very soon. Nous croyons que Jésus est sur le point de revenir. And we believe there is no more time to play religion. We need to be 100% committed. Et il est temps d'être 100% engagé, mais pas simplement de jouer un rôle. And it is clear again and again that God gave us a work to do. C'est clair que Dieu nous donne un rôle à jouer, un travail à accomplir. Jesus didn't give the disciples a suggestion, but he gave them a command. Dieu n'a pas donné simplement des suggestions à ses disciples, mais il a donné un commandement. It's the great commission. un grand commandement. It's the great commission. Go and make disciples. Allez, faites des disciples. And very interesting, Jesus didn't say go and make members. He says go and make disciples. C'est très intéressant parce que Dieu ne dit, Jésus ne dit pas d'aller et de faire des membres, mais de faire des disciples. Because you can be a member without being a disciple. Parce que nous pouvons être des membres ou nous pouvons être des disciples. But if we are members without being disciples,
we are actually no Christians. Mais si nous sommes simplement des membres sans être des disciples, nous ne sommes même pas des chrétiens. Because in 1 John he says that if you say that you love God and you don't love people, you lie. You cannot love God without loving God's people. Alors la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons pas ne pas aimer notre prochain et être proclamé enfant de Dieu. Nous devons aimer notre prochain. This is how you measure. This is how you test your love for God, by how much you love God's children. C'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment tester l'amour que nous avons en nous. C'est quand nous pouvons aimer notre prochain. The spirit of prophecy says clearly many paragraphs, but I don't have time to go through them. Alors, l'esprit de prophétie nous parle de beaucoup de parallèles par rapport à cela, mais je ne vais pas pouvoir tout parcourir. We are born in God's kingdom as missionaries. Nous sommes des missionnaires dans le royaume de Dieu. She says basically that when you get baptized, you become a missionary. Alors, elle nous dit clairement que quand nous nous baptisons, nous devenons des missionnaires. And she also says that those that have been converted have a passion for the lost. Et ceux qui ont été vraiment convertis ont une passion pour ceux qui sont perdus. And that if you don't have that passion, you have never been truly converted. Et si vous n'avez pas cette passion, vous n'avez pas vraiment connu la conversion. God called Israel to mission. Dieu a appelé Israël à une mission. God didn't call them to salvation, he called them to mission. Dieu ne les a pas appelés au salut, mais à la mission. Because God called everybody, not only Israel, everybody to salvation. Parce que Dieu appelle tout le monde à la mission. But they forgot their job, they forgot their mission. Mais ils ont oublié quelle était leur mission, quel était leur but dans la vie. They isolated themselves from the rest of the world. Ils se sont isolés du reste du monde. They considered the others unclean. Ils ont considéré les autres comme des impurs. And they lost their mission. Et ils ont perdu de vue quelle était la mission. In the Bible, in Exodus, very interesting. In Exodus chapter 19, the Bible says to Israel, you are a kingdom of priests. Dans Exode au chapitre 19, Dieu dit, vous êtes une nation, vous êtes un peuple de prêtres. Priests, not only Aaron, but everyone of Israel, every father, mother, child, everyone was to be a priest. Le prêtre ne devait pas être uniquement Aaron, mais chaque maman, chaque mari, chaque enfant. Every single one among God's people was supposed to be a priest. Tout le monde parmi le peuple de Dieu était supposé devenir un prêtre. They are called to be a light to the nations, says Ellen White. They are called to be a light to all nations. Ellen White nous dit qu'ils sont appelés à être la lumière pour toutes les nations. They are called to be a force of attraction to the fallen world. Ils sont supposés être ceux qui attirent les autres. To show the world God's love. Pour montrer l'amour de Dieu. They are called to be a blessing to all nations. Ils sont supposés être une bénédiction pour toutes les nations. God told Abraham, I will make you a blessing to all nations of the world. Il a dit à Abraham, je te ferai une nation, une bénédiction pour tout le monde. Their house was to be a house of prayer for all nations, not only for Israel. Votre maison doit être une maison de prière, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. The Bible says that they are supposed to take the good news to all the world. La parole dit qu'ils étaient supposés partager la parole au monde entier. And they, instead of being a blessing, a house of prayer for all nations, they excluded the nations from salvation. Mais au lieu d'apporter les gens au Christ, à Dieu, ils ont exclu toute la nation de Dieu. That's the reason in the New Testament they wanted to kill Paul, the apostle, again and again, because he would preach to the Gentiles, to the nations. C'est pour cette raison qu'ils voulaient tuer l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, parce qu'il parlait
de la parole de Dieu gentil aux païens. In the book of Acts of the Apostles, Ellen White says that every time Paul would mention the Gentiles, they would go crazy, they would lose their temper and explode. La parole, Ellen White nous dit que à chaque fois qu'il partageait la parole de Dieu aux païens, les Juifs étaient vraiment confus, étaient énervés. And because they lost their mission, they isolated themselves, God rejected them. Alors, parce qu'ils ont perdu de vue quelle est la mission, ils se sont isolés et Dieu les a rejetés. God didn't reject them from salvation. Anyone from Israel could be saved. Dieu n'a pas exclu Israël du salut, mais ils se sont exclus eux-mêmes. Everyone, regardless if he is from Israel or Germany or America, anybody could be saved. Tous ceux qui venaient d'autres pays, comme l'Allemagne, comme les autres pays, ils pouvaient être sauvés. But then, God excluded them from mission. They lost their mission. Mais ils ont perdu de vue la mission. They lost their call. Ils ont perdu leur appel. And God called the spiritual Israel to that mission. Et Dieu a appelé Israël spirituel à cette mission. And in 1 Peter chapter 2, we are called a kingdom of priests. Et dans 1 Pierre chapitre 2, nous sommes appelés une nation de prêtres. In Exodus, they are called the kingdom of priests. In Peter, we are called the kingdom of priests. Dans Exode et dans Pierre, nous sommes appelés le royaume de prêtres. God loves the world. God loves people. And he called us to save the lost. Dieu aime le monde, aime les habitants de ce monde et il nous appelle à partager la parole et à sauver les autres. The three angels' message emphasizes the message going into the whole world. Le message des trois anges parle d'un message qui doit être répandu à travers le monde entier. God called you and me not to salvation but to mission. Dieu ne nous a pas appelés au salut mais à la mission. And as we fulfill that command, that great commission, then we can be saved. Et si nous sommes capables de remplir cette mission, d'accomplir cette mission, nous serons sauvés. God doesn't need you and me, but Dieu n'a pas besoin de nous. As we serve, we become more and more like Jesus. Dieu n'a pas besoin de vous et moi, mais au fur et à mesure que nous servons, nous devenons de plus en plus comme lui. When I was young, I was about 17, 18, I don't remember. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être 17 ans, 18 ans. I was the choir director and I prepared the Christmas program. Et j'étais le directeur de chorale et j'ai préparé des chants pour la Noël. And I worked for 4 months and I prepared the best Christmas program in the history of the earth, I thought. Pendant 4 mois, j'ai préparé ce programme vraiment durement et je pensais que ça allait être le plus beau programme de l'histoire. I was very impressed with myself. I said, wow, what a program I prepared. Wow. J'étais vraiment fier de moi et je me disais, wow, quel beau programme j'ai préparé. Songs and poetry and drama and pictures around the church on the walls. It was the best Christmas program ever. Il y avait des chants, il y avait des programmes, il y avait des scènes et il y avait des citations, des images collées au mur. C'était vraiment magnifique. And after the program, I went home and I said to my dad, did you like the program? Je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à mon père, est-ce que tu as aimé le programme? And my father said, son, who made the program? Et mon papa m'a demandé, mon fils, qui a fait le programme? Who prepared it? Qui l'a préparé? I said, we did. Me and the youth, we did. Et là, je lui ai répondu, c'est la jeunesse et moi, nous l'avons fait. And he said, and who listened to the program? Il a dit, mais qui a écouté ce programme? Qui a assisté à ce programme? Well, we did, all of us, the church. Ben, c'était l'église. And my father said to me, son, if you have a cow and the cow makes milk and the cow drinks the milk, why do you have a cow?
Et il m'a posé la question, mais si tu as une vache et que cette vache produit du lait et que d'autres vaches boivent du lait, mais à quoi ça sert? I said, I don't understand that. What do you mean? Là, j'ai demandé, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Son, if you prepare the program and if you listen to the program, why do you have a program? Et là, il a dit, si tu as un programme et que ce sont vous-même qui écoutez ce programme, ben, à quoi ça sert? You prepare the program in the church, you do the program, you listen to the program, you applaud yourself, and then you go home. What's the point? Alors, il a dit, tu vas à l'église, l'église est en train d'assister au programme, tu t'applaudis toi-même et tu rentres à la maison, ben, à quoi bon? And he said to me, you don't do farming in the barn. You do farming in the field and bring the harvest in the barn. Alors, vous ne faites pas. Could you repeat, please? You don't do farming in the barn. Yeah, then. You do farming in the field and bring the harvest in the barn. Alors, il ne faut pas faire le travail dans la ferme. Il faut aller dans les champs et ensuite apporter le résultat dans la ferme. And he said, you don't do church in the church. God sent you to the world. Go from Jerusalem, Judea, go to all nations. You do the program for the world and then you bring them to the church. If you do it for the church, why do you do it? Et là, il a dit, tu ne fais pas un programme pour l'Église, tu vas en Judée, tu vas dans les autres contrées, tu les fais revenir vers l'Église. Tu ne peux pas faire un programme de l'Église pour l'Église. God gave you a mission. Why do you do the program in the church? And then you listen to the program instead of doing it for the lost. Pourquoi est-ce que tu fais un programme pour l'Église et l'Église assiste à cela? Fais-le pour ceux qui sont perdus. It's like the choir records the song and then the choir listens to the song. The choir is supposed to sing for the others. C'est comme si que la chorale prépare un chant et que c'est la chorale même qui écoute le chant. Il doit le faire pour les autres, elle doit le faire pour les autres. In Jeremiah 29, it says, I know the plans I have for you. Jérémie, au chapitre 29, nous dit, je connais les plans que j'ai pour toi. It doesn't say the plan, it says the plans, plural. Il n'a pas dit le plan, mais les plans. And the spirit of prophecy talks about God's plans for us. Et l'esprit de prophétie nous parle des plans de Dieu pour nous. And she says that God has a plan for every one of us daily. Et elle dit que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous chaque jour. It would be very sad to be a Christian and never search for God's plan for you. Always follow your own plan instead of fulfilling God's plan. Ce serait vraiment triste si, en tant que chrétien, nous étions en train de réaliser nos propres plans plutôt que d'obéir aux plans de Dieu, de suivre les plans de Dieu. So many times, instead of seeking God's plan, we seek God's blessing for our plan. Très souvent, au lieu de chercher Dieu, de chercher à faire ce que Dieu a prévu pour nous, à réaliser ses plans, nous faisons nos plans et nous demandons à Dieu de bénir ses plans. Ellen White says that Jesus received the plans every day from the Father for that day. Ellen White nous dit que Jésus recevait chaque jour le plan que Dieu avait préparé pour lui, pour la journée. Jesus says in John, I don't do my own works, I do the works that the Father gives me. Dans Jean, Jésus dit, je ne fais pas mes propres plans, je fais le travail que Dieu a prévu pour moi. She says, so should we, every day receive the plans from the Father. Et c'est ce qu'elle dit, c'est que chaque jour, nous devrions faire la même chose et recevoir les plans de Dieu. And she says, we should present our plans before the Lord. Nous devrions présenter nos plans à Dieu. Ready to fulfill them or to give them up according to his will. Pour pouvoir soit les accomplir, soit les abandonner selon sa volonté. And then receive his plans and follow his plans, not our plans. Et ensuite recevoir ses plans et suivre ses plans, pas les And nôtres. trust that he will take care of us. Et croire qu'il prendra soin de tout. That if we put him and his plans first,
He will take care of our needs. Si nous mettons Dieu en premier, il prendra soin de tout notre être, de tous nos besoins. If we seek his kingdom, the advancement, the interest of his kingdom first, he will take care of all the other things. Si nous prenons soin de son royaume, il prendra soin de toute autre chose. We are a kingdom of priests. Nous sommes un royaume de prêtres. I was flying from California back to the East Coast. Alors j'étais en train de voyager de Californie jusqu'à la côte est. I spoke there one Sabbath some time ago. I spoke so many times that I almost lost my voice. J'ai tellement parlé que j'ai presque perdu ma voix. And I spoke Friday night and Saturday morning 9 o'clock and Saturday morning 11 o'clock and Saturday 2 o'clock and Saturday 4 o'clock all the time. J'ai commencé à parler depuis vendredi jusqu'à samedi matin, jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h. And then at 6 p.m. I met the pastors and the elders and the deacons until 8 p.m. Et ensuite, j'ai eu une rencontre avec les anciens, les diacres, les diaconesses. I was tired. J'étais fatigué. And I finished around 8:30 and people still talk to me until 9 o'clock p.m. Et j'avais terminé à 8h30 et les gens me parlaient jusqu'à 9h. And then I had to run to the airport to return the rental car and to be 2 hours earlier to catch my flight back home. Et je me suis ruée à l'aéroport. Je devais rendre ma voiture de location et avoir une avance de 2 heures pour pouvoir prendre l'avion. It was an overnight flight. My flight would leave at 11 p.m. C'était un voyage le soir et je devais quitter le pays à 11 heures le soir. And as you leave from California and you go to East Coast, you lose 3 hours. Et de la Californie jusqu'à la côte ouest, vous perdez 3 heures. And the flight is 5 hours plus 3 hours that you lose, 8 hours. Can you repeat, please? Sorry. The flight takes 5 hours, is 5 hours long, plus you lose 3 hours, altogether 8 hours. Alors, le voyage prend 5 heures, donc on perd 3 heures de temps en voyage plus 5 heures de temps en avion, c'est 8 heures. 8 hours, after a whole Sabbath of speaking, then the whole night of flying. Après une journée de discussion, de présentation et une nuit de voyage. Without any sleep, you leave in the evening and you get in Atlanta in the morning. Alors, vous quittez le pays le soir et vous arrivez à Atlanta le matin. And then I wait in the airport 2 hours in Atlanta and I fly another one hour to Washington and then I drive another 1 hour home. Long flight. Alors, de Atlanta et tous les autres endroits qu'on doit parcourir, c'est un très long trajet. Et je suis rentrée à la maison fatiguée. Basically, I prayed and I said, Lord, I'm tired. Please don't let anybody sit next to me because I want to sleep. Et j'ai dit à Dieu, Dieu, je suis fatiguée. Fais que personne vienne s'asseoir près de moi, s'il te plaît, parce que j'ai envie de dormir. And as I prayed, God brought in my mind what I preached. Et quand j'étais sur le point de dormir, Dieu m'a fait me rappeler de ce que j'ai prêché. Seek God and His kingdom first. Et chercher le royaume de Dieu en premier. Put God first. Mettre Dieu en premier. Seek God's interest above yours. Chercher les intérêts de Dieu plutôt que les nôtres. Seek God's plans. Don't ask God's blessing for your plan. Cherchons les plans de Dieu, pas les bénédictions de Dieu par rapport à nos plans. But Lord, I am tired. I would like to let me sleep. Though I don't want to have a plan tonight. Et là, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'ai pas envie d'avoir de plan ce soir. J'ai juste envie de dormir. And God spoke in my mind. Who gave you health? Who gave you blessings? Et là, Dieu m'a fait me rappeler, m'a fait penser, mais qui te donne la santé? Qui te fait te reposer? Qui te donne des bénédictions?
Jesus lost his life to save the lost, and you cannot lose a night? Jésus a perdu sa vie pour pouvoir sauver les perdus, et toi, tu ne peux pas perdre une soirée? If you had an exam, you would learn the whole night. But to save a soul, you cannot lose a night? Si tu avais un examen, tu aurais passé la nuit à étudier, mais tu ne peux pas sauver une âme durant la nuit? I said, okay, Lord, give me your plan. I am willing to give up my sleep. Et je lui ai dit, Seigneur, ben, que ta volonté se fasse, que ton plan se réalise, même s'il faut que je ne dorme pas, ça va. That's the prayer that I pray every morning. Et c'est la prière que je fais chaque matin. Here I am, Lord. Use me today. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. We are so busy, so focused on our agenda that we are blind to people's needs around us. Nous sommes tellement préoccupés par notre propre emploi du temps que nous oublions les besoins des autres qui sont autour de nous. We are so focused on our plans that we are deaf to God's voice. Nous sommes tellement focalisés sur ce que nous voulons faire, sur nos projets, qu'on n'entend pas la voix de Dieu. And we are blind to people around us that are in need. Et nous sommes aveugles aux besoins de ceux qui sont, nous entourent, ceux qui sont vraiment dans le besoin. And we say, oh, I love Jesus. Et nous disons, ah, j'aime Jésus. But the Bible says that if you don't love your neighbor, you don't love Jesus. Et la parole de Dieu nous dit, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. And I said, Lord, I really want to sleep, but I make myself available. Use me today or use me tonight. Et j'ai vraiment envie de dormir, mais utilise-moi si c'est nécessaire. When you pray that prayer, God listens to that prayer. Et quand tu fais ce genre de prière, Dieu entend ce genre de prière. When you sacrifice self, ready to save somebody and to help somebody, you become more and more like Jesus. Si tu es prêt à sacrifier ta santé, ton temps, pour pouvoir sauver les autres, tu deviens de plus en plus à l'image de Jésus. We so many times ask God to serve us instead of offering ourselves to serve God. Très souvent, nous voulons utiliser Dieu plutôt que de laisser Dieu nous utiliser. And so I said, Lord, I'm willing to lose my sleep. Here I am. I made myself available today or tonight. Use me. Je suis prêt à abandonner mon sommeil. Utilise-moi. Oh Lord, be careful what you pray, because as soon as I finished the prayer, a big lady came and sat next to me on my right side. Faites attention à ce que vous demandez au Seigneur, parce que dès que j'ai terminé de prier, il y a une grosse dame qui est venue, qui s'est assise juste à mes côtés. And she was so big that she took her chair and the part of my chair, so I had to lean to the other side to make room for her. Elle était tellement potente qu'elle prenait sa place, son siège, et elle prenait une partie de mon siège, et j'ai eu besoin de rester coincée près de mon hublot. But that's not the end of the story. Then another big lady came on my left, and she also sat on part of my chair, so they squeezed me between them like a sardine in a can. I could not even move. Donc, il y a une autre dame, une grosse dame qui est venue, qui s'est assise de l'autre côté, et elle aussi, elle a pris une partie de mon siège, et j'étais coincée au milieu. I said, I'm going to get numb. I will not be able to move 5 hours of flight of between these two ladies. When I get to Atlanta, I will be paralyzed. Et là, je me suis dit, et si ça continue, je vais avoir des crampes, et je ne vais pas pouvoir me reposer du tout jusqu'à ce que j'arrive à destination. And the lady on the right, as soon as she sat down, she put her head in her palms and she started to cry. Et alors que la dame qui était sur ma droite, dès qu'elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. And I said, can I help you? Et je lui ai demandé, est-ce que je peux t'aider? No, leave me alone. And she was crying. Et elle a dit, non, laisse-moi tranquille. Et elle pleurait. And the lady from the left side says, how can you help her if you want to help her? Maybe we are on the plane. What can you do? Et là, la dame de la gauche a dit, mais même si tu voulais l'aider, qu'est-ce que tu pourrais faire? Parce que nous sommes dans un avion. Il n'y a rien à faire. I said, I can pray for her. Et là, je lui ai dit, mais je peux toujours prier pour elle. And she says, you believe in prayer? I said, yes. Et là, elle m'a dit, tu crois à la prière? Et j'ai dit, oui. Oh, me too.
And she says, ah, moi aussi. Let me tell you a little about prayer. And she started to talk and tell me about prayer. Et elle m'a dit, mais laisse-moi te parler de la prière. Et là, elle a commencé à parler de la prière. I politely allowed her to talk because sometimes it's better if you let them talk to you than if you talk to them. Et j'ai été polie et je lui ai laissé parler. Et parfois, c'est mieux de laisser parler les autres plutôt que de parler. You gain a friend faster if you let them talk than if you talk and you never let them talk. Tu as un ami plus rapidement si tu laisses la personne parler plutôt que si toi tu fais toute la conversation. After she talked, I said, I believe in prayer too. Let me tell you a little about what I believe. Et là, je lui ai dit, tu sais, je crois à la prière aussi. Laisse-moi te dire un peu ce que j'ai vécu par rapport à la prière. And I told her just a few things from the prayer seminar, analyzing 650, 700 prayers in the Bible. Et je lui ai parlé un peu du séminaire que j'avais fait par rapport à la prière des 500-600 prières. And she opened her mouth big. And she was like, wow. Et elle était choquée, étonnée. Elle était heureuse. Et elle a dit, wow. And I gave her some facts from prayer, powerful, powerful facts, you know. Et là, je lui ai donné des faits vraiment puissants par rapport à la prière. And while we were talking, the lady from the right side that was crying, she stopped crying and she started to listen. Et la dame qui était en train de pleurer sur ma droite, elle a arrêté de pleurer, elle a cessé de pleurer, elle a commencé à écouter notre conversation. And she says, well, I guess you cannot help me, but yes, you can pray for me. Elle dit, oui, je pense que tu peux rien faire pour m'aider, mais vous pouvez toujours prier pour moi. And I said, okay, tell me what to pray for. Et là, je dis, ok, mais pourquoi tu voudrais que je prie? She said, well, when I got on the plane, I got a text message that my husband is divorcing me and living with another lady. Quand je suis rentrée dans l'avion, il y a mon mari qui m'a texté, qui m'a dit qu'il voulait qu'on divorce parce qu'il avait trouvé une autre dame. I said, yes, I cannot help you, but let me pray for you. Là, j'ai dit, c'est vrai, je ne peux rien faire pour toi, mais laisse-moi prier pour toi. After we prayed, she started still to cry. Et alors que je priais, elle pleurait. And I said, Lord, give me wisdom, because you promised if we ask wisdom, we'll receive it. Give me wisdom to know what to tell this lady to comfort her. Et là, je me suis dit, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, donne-moi la sagesse parce que j'aimerais pouvoir l'aider. Montre-moi ce que je devrais dire. And God impressed me. And I said, lady, let me say a few words. Et là, Dieu m'a inspiré et je lui ai dit, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Don't get upset for what I say next. Just be patient, listen until I finish. Alors, laisse-moi terminer, ensuite tu pourras intervenir. And I said, listen, it may be difficult for you now, but it's better for you this way. Ça peut être dur pour toi en ce moment, mais c'est mieux pour toi. She said, what? How can you say that? He's leaving me. What am I going to do? Et là, elle s'est fâchée et elle a dit, quoi? Comment est-ce que tu peux me dire une chose pareille? Comment je vais faire sans lui? I said, lady, nobody loves you today and hates you tomorrow. If he hates you or if he doesn't love you, he stopped loving you long ago. He divorced you long ago. Et là, je lui ai dit, tu sais, là, tu ne passes pas de l'amour à la haine du jour au lendemain. Ça a été un long processus. S'il a arrêté de t'aimer, cela veut dire que ça a commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas maintenant que vous divorcez, mais cela a commencé déjà dans le passé. He, 2-3 years ago, he stopped loving you. He stopped talking to you. He stopped giving you money. He became a stranger. 2 ou 3 ans de cela, il a arrêté de t'aimer, il a arrêté de t'écouter et il a simplement arrêté de pouvoir à tes besoins. He had no relationship with you. Il n'avait plus de relation avec toi. And then he started to raise his voice and scream and make your life difficult. Il va juste simplement rendre ta vie amère. And your il life va être méchant. And every day your life became more difficult until you had no joy, no peace. It was like a hell in your house. Et à ce moment-là, ce sera vraiment difficile pour toi et ta maison sera comme un enfer.
fighting every day. You hated to go home. You hated to talk to him. Et tous les jours, vous allez vous battre. Tu détestes parler avec lui. Tu vas plus prendre plaisir à parler avec lui. And after 2 years, he got tired. And he long ago, he started to cheat on you. He just never told you. Now he got tired and he says, okay, I'm divorcing. Alors, il a déjà commencé à te tromper, ça fait longtemps. Mais c'est maintenant qu'il a le courage et de te dire qu'il veut divorcer. And so, lady, now it's difficult for you, but you'll get over it. And then you can start life all over again. Alors, maintenant, c'est difficile pour toi. Mais tu verras que c'était la meilleure chose et tu pourras recommencer à vivre une nouvelle vie. You go home. There is nobody to scream. You go home and you can rest and you can have peace. Alors maintenant, tu peux rentrer à la maison et te reposer parce qu'il n'y aura plus personne pour te crier dessus. And a few months later and 1 year later, you will start healing. Un an après, 2 ans plus tard, tu vas commencer à guérir. And when you get a new boyfriend and you want to marry, don't marry the way you married first time. Et quand tu auras quelqu'un de nouveau, tu auras un petit copain, ne refais pas la même erreur que tu as fait la première fois. Pray about it. Seek God's leading so you can find a man that loves God and loves you and you have peace and heaven in your house, not hell. Prie pour que Dieu puisse t'apporter une personne qui pourra t'aimer, qui pourra l'aimer en premier et ce ne sera plus un enfer sur terre dans ta maison, mais sera le paradis. Said, how did you know that 2 years ago my life became like this? How? Who told you? How did you know? Et là, elle a dit, mais comment est-ce que tu savais que 2 ans de cela, ma vie est devenue comme ça? Qui t'a dit? Qui t'en a parlé? I don't know. I just prayed that God would give me wisdom to know what to tell you. I don't know. Et là, je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai simplement prié Dieu. J'ai demandé à Dieu de m'inspirer. And she says, wow, you pray and God talks to you. Et là, elle dit, wow, tu pries et Dieu te parle. Well, I said we are supposed to walk with God and to talk with God all the time. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais nous sommes supposés parler à Dieu et marcher avec lui. And she says, can you ask God, what should I do right now? Because my mind is all the time thinking about divorce and I'm crying. What can I do to take my mind off this painful subject? Et là, elle m'a dit, mais qu'est-ce que je suis supposé faire? À chaque fois que j'y pense, je pleure, ça me fait mal. Qu'est-ce que je suis supposé faire? And I said, lady, you cannot get rid of a thought by thinking about how to get rid of that thought. You need to put your mind something different. Alors, tu ne peux pas toujours être obsédé par la même chose, repenser à la même chose, mais essaye de focaliser sur autre chose. You fill your mind with Jesus and the other thoughts, they run away from you because you don't take those thoughts or temptations or pains out of your brain. You fill your brain with something else. Alors, au lieu de penser à cela, pense simplement à Jésus. So I said, take here this book, read it, and as you read the book, you will not think about the divorce. Alors, je te donne un livre, lis ce livre, et tu verras que tu ne penseras pas au divorce. And I gave her my book, and she started to read. Je lui ai donné mon livre et elle a commencé à lire. And she was reading, and she was smiling, and she was reading, and she was crying, and she would give me a hug and keep reading, and give me a hug and keep reading. Alors, elle lisait et elle souriait. Elle lisait, ensuite elle pleurait. Elle lisait et elle me faisait un câlin. Elle recommençait à lire et me faisait un autre câlin. When we got to Atlanta, she finished the whole book. Quand nous sommes arrivés à Atlanta, elle avait terminé tout le livre. And she said, God put you next to me here on this chair. Et là, elle a dit, Dieu t'a placé près de moi sur cette chaise. And she says, I don't believe that it happened by chance. I said, no, all things work together for our benefit. Nothing just happens. Et là, elle a dit, je ne pense pas que c'était le hasard. Et là, je lui ai dit, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas un hasard. And she says, can I keep the book? I want to give it to my children. I want to give it to my friends. It changed my life.
Et là, je lui ai dit, elle m'a dit, est-ce que je peux garder le livre? Je veux que mes enfants le lisent, mes amis le lisent, parce que ce livre a changé ma vie. 3 months later, she emailed me and she says, I found the church. I'm going to go to the church. By sitting next to you on the plane, it has changed my whole life. Et 8 mois plus tard, elle m'a dit qu'elle a trouvé une église, qu'elle va à l'église et que le fait qu'elle se soit assise près de lui a changé sa vie. I could give you not one, not two, not ten, but hundreds of stories like this one every week. Je pourrais vous donner plein d'exemples de ce genre que je fais chaque semaine. God has a plan for you daily. Dieu a un plan pour toi chaque jour. The Bible says, I know the plans I have for you. La parole de Dieu nous dit, je connais les plans que j'ai pour vous. The spirit of prophecy says that we should receive God's plan for every day to be a blessing for the people around us. La parole de Dieu, Dieu nous dit que nous devrions recevoir ces plans chaque jour pour que nous puissions. Basically, ça pour nous. Every day, God has a plan for you. Chaque jour, Dieu a un plan pour nous. Every day, we are so focused on our things that we don't even know God's plan. Quelquefois, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous sommes en train de vivre que nous ne nous concentrons pas sur ce que Dieu a en réserve pour nous. And how many times we go to prayer seeking God's blessing instead of go and ask for God's plan? Et très souvent, nous voulons avoir ces recevoir ces bénédictions, mais nous ne demandons pas quels sont ces plans. And this way, instead of making God the master, we make ourselves the master and Him the servant. Et au lieu de faire que Dieu soit notre maître, nous devenons le maître et nous demandons à Dieu d'être le serviteur. God called Israel for a purpose to save the lost. Dieu a appelé Israël pour une tâche, c'est de sauver les perdus. And God called you and me for a purpose to save the lost. Dieu nous a appelés à sauver ceux qui sont perdus. And God makes you and me responsible for our neighbors, for our co-workers. We are responsible for their lives and salvation. Dieu nous a tenus responsables de nos voisins, de nos collègues. Et il a une tâche qu'il nous a confiée. 29 years ago, when I got into ministry, when God called me to serve, I went to a district. Alors, 29 ans de cela, quand Dieu m'a appelé à le servir, je suis partie dans un district. And when I got there, it was countryside. Et quand je suis partie là-bas, c'était dans la campagne. And they were good people, but there were two of them, two brothers, that they were sick. Et ils étaient bien, ils étaient gentils, mais il y en avait deux qui étaient malades. They were good people, but their mind was not functioning well. C'était de bonnes personnes, mais leur esprit ne fonctionnait pas comme il se devait. Mentally, they are not those two brothers. They are not developed. Ils n'étaient pas complètement développés mentalement. We say in Romania, they had a room. I'm referring to the head. They had a room, but there was no furniture inside. Alors, en Roumanie, on dit qu'ils avaient une pièce, mais qu'il n'y avait pas de meubles dans cette pièce. In America, they say that the elevator doesn't go all the way up. En Amérique, on dit que l'ascenseur ne va pas complètement en haut. These two brothers, if they would grab you, they would grab you by hand and they would not let you go. Et ces deux frères, s'ils vont tenir par la main, ils vont vous attraper la main. Ils ne vont pas vous laisser partir. They would grab you by hand, pastor. Pastor, pastor, what? Pastor, and they would just keep me there. Et à ce moment-là, ils allaient me dire, pasteur, pasteur, pasteur. Et là, j'allais dire, mais quoi? Ils allaient continuer, pasteur, pasteur. Ils n'allaient pas me laisser partir. And when I would see them, I would just avoid them because I knew I could not escape. Et lorsque je les rencontrais, je devais les éviter parce que je savais que j'allais pas pouvoir m'enfuir. And I started to preach to the church that we are the body of Christ. Et j'ai commencé à prêcher à l'église pour dire que l'église est le corps du Christ. In the body, every organ is important.
Et dans le corps, chaque membre est important. In the body, every organ has to function. Et dans le corps, chaque organe a besoin de fonctionner. In the body, if one organ doesn't function, the whole body suffers. Si dans le corps, un organe ne fonctionne pas, le corps entier souffre. In the Bible says in Ephesians that we have to function. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens que nous devons fonctionner. That we have to use our gifts. Que nous devons utiliser nos dons. Not everybody could be mouth, not everybody could be leg, but one is the leg, one is the nose, one is the eye, one. Everybody has a different job in the church. Tous ne peuvent pas être la bouche, la jambe, le nez. Nous avons chacun notre particularité. And if one organ from the body doesn't function, the whole human being is handicapped, is in pain, is sick. Si jamais un corps, une partie du corps ne fonctionne pas, le corps entier est malade et ne fonctionne pas convenablement. The same in the church. If one or two members don't function, the church suffers. Et c'est la même chose dans l'église. Si un ou deux membres ne fonctionnent pas, l'église entière souffre de cela. God called the whole church, not only the pastor, the whole church to serve. Dieu a appelé l'église entière à fonctionner, pas uniquement les pasteurs. Ellen White says that when the lay members will unite with the pastors, then we'll finish the work. Ellen White nous dit que quand les laïcs vont se joindre au pasteur pour travailler pour lui, Jésus reviendra. The pastors are not only to preach, but to train the members to work, like a general will train the soldiers to fight. Et le pasteur, il ne doit pas faire le salut à lui tout seul, mais il doit entraîner les autres, préparer, équiper les laïcs afin qu'ils puissent continuer l'œuvre. We are all called in God's vineyard. We are all called to save the lost. Nous sommes tous appelés dans la vigne de Dieu. Nous sommes tous appelés à sauver ceux qui sont perdus. And as I preached, I trained them for 3 months. I said we are going to have evangelism and everybody should be involved. Every single one should be involved. Et je les ai dit que tous devaient participer. Chaque personne. And very strange, the two brothers came to me. Pastor, you said everyone. That means you want to use the two of us too. Mais les deux frères sont venus me voir et m'ont dit, Pasteur, tu as dit que tu devais utiliser tout le monde. Ça veut dire que ça, c'est les deux d'entre nous aussi. I said, wow, how can I get rid of them? Là, je me suis dit, wow, comment est-ce que je peux me débarrasser d'eux? How can I? They are going to embarrass me. Whatever job I give them, they will not be able to do it. If I make them greeters, they will stop people from coming to church because they grab them by hand. And wow, how can I get rid of them? Et là, je me suis dit, bon, comment je vais pouvoir me débarrasser d'eux? Parce que si jamais je les utilise, même pour faire l'accueil, et chaque personne qui va venir, ils vont les arrêter et parler sans cesse. Ils vont plus jamais revenir. I thought about it and I got an idea. I said, you pray, go home and pray. Leave me alone. Et là, je me suis dit, j'ai une idée. Et je les ai dit, rentrez chez vous et commencez à prier. But you said that you'll give everyone a job. Give us a job. I said, that's your job. Go and pray and leave me alone. Et là, ils ont dit, mais tu as donné à tout le monde un travail. Pourquoi tu ne nous donnes pas une fonction? Et là, j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Rentrez chez vous et priez. Their father told me that they went home and they talked. He said we should pray. He said we should pray. He said we should pray. And for hours, they would just repeat that. Et à ce moment-là, il a dit que nous devrions prier. Il a dit que nous devrions prier. And then they said, but who should we pray for? Et là, ils se sont demandé, mais pour qui devrais-je prier? And the father told them, evangelism is for people. You should pray for people. Et là, le papa a dit, mais l'évangélisation, c'est pour toutes les personnes. Mais priez pour toutes ces personnes. What people? For people from the community. We are going to invite them to evangelism. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais qui? Et là, le père les a dit, pour la communauté. À ce moment-là, nous pourrons les inviter à l'église. But dad, people don't know that we pray for them. Et là, l'un d'eux a dit, mais papa, les gens ne savent pas qu'on prie pour eux. So they talked and they said, you know, maybe we need to pray with people so they know that we pray for them.
Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais peut-être qu'on devrait prier avec les gens pour qu'ils sachent qu'on est en train de prier pour eux. That town was very small. 16,000 households, the whole town, very small. Alors, c'était une petite ville. Il y pouvait y avoir 16 000 maisons. They went to the first street, to the second street, to the third street, street by street, house by house, to pray with people. Et ils sont partis de rue en rue pour pouvoir partager, pour pouvoir prier avec les gens. They went to the first house, first street, knocked in the door. The man opened the door. Alors, ils ont frappé à la première porte et un homme a ouvert la porte. The pastor said they should pray for you. Et il a dit, le pasteur a dit qu'on doit prier pour toi. What do you want us to pray for? Pourquoi tu voudrais qu'on prie? He says, well, my wife left me. Please pray for my wife to come back, for my family. Et là, il a dit, ma femme m'a quitté. Prie pour que ma femme revienne à la maison, revienne vers sa famille. And they said, Lord, bring her back. Bye. Et là, ils ont dit, Dieu, fais qu'elle revienne. Bye. And they went to the second house. The pastor said, they should pray for you. What should we pray for? Et là, ils sont allés à la deuxième maison. Et là, ils ont dit, le pasteur a dit qu'on devrait prier pour vous. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on prie pour toi? I have a cow and the cow is sick. Lord, heal the cow. Bye. Et là, il a dit, j'ai une vache, mais elle est malade. Et là, ils ont prié. Dieu, guéris la vache. Bye. And house to house, simple, short prayers. In a month, they prayed for the whole town. Every single house, from morning to night, they prayed for everybody in the town. Durant un mois, ils ont prié pour ces 16 000 personnes qu'il y avait dans cette ville. Et ils ont prié pour la ville entière. After a month, they came back to me, Pastor, we prayed, give us another job. Et après un mois, ils sont revenus vers moi. Pasteur, nous avons prié, donne-nous un autre travail. I said, wow, I had peace for a month. Wow, it et là, je me suis dit, wow, pendant un mois, j'ai eu la paix. C'était tellement bien. Go back and pray more. Et là, j'ai dit, allez-y, allez prier plus, priez plus. They went back and they said, maybe he wants us to go back to the whole city to pray for them. Et là, il a dit, mais peut-être qu'ils se sont dit, mais peut-être qu'il veut qu'on aille voir la ville à nouveau et qu'on prie encore. And they went back to the first house, second house, third house, house by house, again, second time to the whole city. Et une deuxième fois, ils ont refait le tour de la ville. Chaque maison, ils sont partis à chaque maison pour prier. And they knock in the first door. The pastor said, they should pray for you again. Et ils ont tapé à la première porte et ils ont dit, le pasteur a dit qu'on devrait prier pour toi encore. And the man jumped and hugged them and said, you know, after you prayed, my wife came back. Thank you. Et là, l'homme, il s'est jeté à leur cou. Il a dit, ah, merci, parce que ma femme, elle est revenue à la maison. And they said, Lord, thank you for bringing the wife back. Bye. Et là, ils ont dit, Dieu, merci d'avoir retourné la dame, sa femme. Bye. They went to the second house. You know, after you prayed, my cow got well. Lord, thank you for healing the cow. Bye. Et là, la personne lui a dit, les a dit, vous savez, ma vache, elle va mieux. Merci. Et là, elle dit, merci, ils disent, merci, Seigneur. Bye. House by house, in a month, they finished the whole town. They prayed again for every single house in the town. Et une deuxième fois, ils ont prié pour la ville entière. And they came back to me, Pastor, we prayed, give us another job. Et là, ils reviennent encore vers le pasteur. Pasteur, nous avons prié. Donne-nous notre travail. I said, you know what? It's really good when I ask them to pray because they don't bother me. I said, go back and pray more. Pray without ceasing. Et je me suis dit, ben, c'était bien. J'avais la paix quand ils étaient en train de prier. Et là, j'ai dit, ben, allez-y. Priez plus. Priez sans cesse. They said, you want us to pray more? I said, yes. Et là, ils ont dit, mais tu veux qu'on prie encore? J'ai dit, oui. They went back to the first house. Ils ont rebâti encore à la première place, à la première to the maison. Second, to the whole city, third time, every single house in the town, third time. Pour la troisième fois, ils sont repartis dans les maisons de la ville. After 3 months, we had evangelism.
Et après 3 mois, nous avions l'évangélisation. The whole city brought 2 people. These 2 sick brothers brought 46 people to church. Et ces deux membres d'église qui étaient malades ont apporté 46 personnes à l'église. About 44 out of them got baptized. 44 d'eux parmi eux se sont baptisés. I said, why would you come? Did these 2 brothers give you Bible studies? Did they teach? Why would you come? What did they tell you so you came and you want to be baptized? Et là, je les ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être baptisé? Est-ce que ces frères-là vous ont donné des études bibliques? Et là, ils ont dit, pourquoi est-ce que vous êtes venu? And you know what people told me? Et vous savez ce que les gens nous ont dit? M'ont they dit? Said, nobody cares so much as you, your church cares. Personne ne se prenait la tête, personne n'était considérant, ne nous considérait à part votre église. Not our families, not our friends, not our church, not our pastors. Nobody ever has prayed so much for us, but your church. Les membres de notre famille, nos amis, notre pasteur, les membres de notre église n'ont jamais été avec autant de considération. But if you as a church pray so much for us, it means that you care and you love us and you have God's presence. We want to join your church. Et si dans votre église vous avez autant de considération pour nous, cela veut dire que nous devons faire partie de cette église. It changed my mind. I had to repent because I thought those 2 people could do nothing. But then I realized it's not what you can do, it's what God can do through you. Et après cela, j'ai eu besoin de me repentir et j'ai compris que ce n'est pas ce que toi tu peux faire, mais ce que Dieu peut faire à travers toi. If God could use 2 demoniacs, Jesus sent them back. And Spirit of Prophecy says that next time when Jesus went to Gadara, the whole town came. Alors si Jésus pouvait utiliser 2 démoniaques et après qu'ils soient venus, toute une ville est venue vers lui. If God could use 2 demoniacs, if God could use a donkey, if God could use a child, God can use anybody. Si Dieu pouvait utiliser 2 démoniaques, s'il pouvait utiliser un enfant, s'il pouvait utiliser un âne, il peut utiliser n'importe qui. When you don't serve, you'll have no excuse. Because God, you cannot say, oh, I'm not prepared. Because God called everyone to serve. Si Dieu t'a appelé à servir, tu ne peux pas dire, ah, moi, je ne peux pas. Dieu a appelé tout le monde à servir. If the tree has no fruits, the gardener is going to chop off the tree. Si l'arbre ne produit pas de fruits, l'arbre sera jeté. We are called to save the world. Nous sommes appelés à sauver le monde. We are called to tell our neighbors the good news that Jesus wants to save them. Nous sommes appelés à dire à notre prochain que Jésus est venu pour les sauver. Israel was called to save, and because they lost their mission, God rejected them. Israël était supposé apporter le salut, mais parce qu'ils ont rejeté la mission, Dieu les a rejetés. God is calling us to serve. We should not lose our call and our mission. Dieu nous appelle à le servir. Nous ne devrions pas perdre cette mission qu'il nous a confiée. We should not ignore Jesus' command. We should not ignore our job. Nous devrions ne pas ignorer son commandement et le travail qu'il nous a confié. If you read in Hebrew chapter 3, quand vous lisez Hébreux au chapitre 3, it says, therefore, as the Holy Spirit says, yeah? Hebrews 3, from verse 7 up. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. And then it talks about Israel, that they rebelled against God. Et il a parlé d'Israël, du fait qu'ils se sont rebellés contre Dieu. That they had a heart of unbelief. Qu'ils avaient un cœur endurci, qu'ils ne croyaient pas. And it says they could not enter in my promise because of their unbelief. Ils ne pouvaient pas recevoir la promesse parce qu'ils ne croyaient pas. They didn't lose Canaan because of problems or giants. They lost Canaan because of unbelief.
Ils n'ont pas perdu Canaan, ils ne sont pas, ils n'ont pas gagné, perdu la guerre parce qu'ils avaient à cause des géants, mais simplement parce qu'ils ne croyaient pas. They didn't believe that God is able to fulfill His promise. Ils ne croyaient pas que Dieu était capable de remplir, d'accomplir sa promesse. They were called to save the world. They didn't believe that they could do that. Ils étaient appelés à sauver le monde. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient le faire. In fact, they didn't believe anything that God promised. Ils ne croyaient pas à quoi que ce soit que Dieu les avait promis. God promised to deliver them from Egypt, and they said to Moses, "How can He do that? You are going to make our life difficult. Leave us alone." Et là, quand Moïse est venu pour dire que Dieu était capable de les délivrer, ils ont dit, laisse-nous tranquilles parce que tu vas rendre notre travail plus difficile. At the Red Sea, they screamed. At the Red Sea, they started to scream, we are going to die. They didn't believe that God could cross the sea. Durant la traversée de la mer Rouge, lorsqu'ils étaient confrontés à la mer Rouge, ils ont dit qu'ils ne pourraient pas traverser la mer Rouge. Ils ne croyaient pas. They didn't believe at the Jericho. They said, oh, we cannot fight these people. They are giants. They didn't believe that God could give them victory. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, ils ont vu les géants et se sont dit que Dieu ne pourrait pas les faire gagner la victoire. They didn't know their God enough to trust Him. Ils ne connaissaient pas suffisamment Dieu pour pouvoir lui faire confiance. And the Bible says that they didn't perish because of the giants, but they perished because of unbelief. Ils n'ont pas péri à cause des géants, mais ils ont péri à cause de leur manque de confiance en Dieu. When God calls you, God will enable you and provide the resources and the power. You don't need to understand. You need to trust in Him. Quand Dieu vous appelle, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos propres forces, votre propre pouvoir, mais Dieu lui-même va accomplir toute œuvre en vous. It says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as your parents did. Il a dit, aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs comme vos parents l'ont fait. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? When you don't obey God's call, your heart becomes harder and harder. Cela veut dire que si jamais vous n'obéissez pas à l'appel de Dieu, votre cœur s'endurcira de plus en plus. Your heart becomes insensitive to the Holy Spirit's voice. Votre cœur sera insensible à l'appel du Saint-Esprit. And the more you postpone to obey, the more you procrastinate, the more you refuse to obey, the more you harden your heart to the voice of the Holy Spirit. De plus en plus, vous renoncez, vous endurcissez contre la voix du Saint-Esprit, de plus en plus, ce sera difficile pour vous d'accepter l'appel de Dieu. Ellen White says, a first resistance to God's call. Et la Noire nous dit que la première résistance à l'appel de Dieu will lead to a second resistance. Amènera une seconde résistance. And the more we resist, the more she says we will harden our hearts and our conscience. Et le plus nous résistons, le plus nous allons endurcir notre cœur et notre esprit. We will get used to the voice of the Holy Spirit and it will not impress us anymore. Nous serons habitués à la parole, à la voix de l'Esprit Saint, et il ne va pas faire d'effet sur notre cœur. You hear a sermon and you are moved and you say, "Wow, we got to act on it." Vous entendez un sermon et vous dites, "Wow, je dois faire quelque chose par rapport à ce sermon." But then you go home and you get busy and you say, "Tomorrow," you procrastinate. Et lorsque vous rentrez à la maison, vous dites, "Bon, demain," vous procrastinez. And the impression goes away. Et l'impression disparaît. And next time you hear again and you procrastinate again. Et la prochaine fois, vous entendez encore l'appel, mais vous procrastinez de nouveau. And eventually, you get used and you are not impressed anymore. Et au fur et à mesure, vous êtes habitué à cette voix et cela ne fait plus d'effet sur vous-même. To the point that no appeal would move you anymore. Au point que aucun appel ne vous touchera. And you become insensitive to the voice of the Holy Spirit. Et vous deviendrez insensible à l'appel de l'Esprit Saint. Don't play games with the Holy Spirit. Ne jouez pas à des jeux avec l'Esprit Saint. If God tells you to do something today, do it. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose aujourd'hui, faites-le. The Bible says, today, if you hear His voice, don't harden your heart.
La parole de Dieu dit, si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit, non Dieu, c'est pas ton cœur. From Israel, we learn four lessons. Nous apprenons quatre leçons, nous avons appris quatre leçons d'Israël. Paul in Hebrews chapter 3 doesn't talk to Israel. Those people are dead. He talks to you and to me. Dans Hébreux 3, l'apôtre Paul ne parle pas aux personnes qui sont mortes, mais à nous aujourd'hui. He says, don't do the way they did. Ne répétez pas les mêmes erreurs qu'eux. We learned four lessons from them. Nous apprenons quatre leçons d'eux. Let me show you on the screen for a second. Laissez-moi vous partager cela sur l'écran. First lesson, procrastinate or urgency. La première leçon, procrastiner ou urgency. L'urgence. Second lesson, called out or love for Egypt. Deuxième leçon, sortir de l'Égypte ou l'amour pour l'Égypte. Third lesson, belief or unbelief. Troisième, l'incrédulité ou la foi. Fourth lesson, going up or going down. Quatrième leçon, monter ou descendre. First lesson, procrastinate or urgent. La première leçon, procrastiner ou l'urgence. In those Bible verses, the word today is repeated three times. Today, today, today. À trois reprises, le mot aujourd'hui sera répété. Not tomorrow. Don't pas demain. Don't say I will pray tomorrow. I will study tomorrow. I will serve tomorrow. I will work tomorrow. I will serve when I get retired. I will today. If God calls you, you need to do it today. Ne vous dites pas si demain je perds mon travail ou si je prends ma retraite. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, t'appelle aujourd'hui. Why today? Pourquoi? When I was aujourd'hui. When I was a kid, when I would walk to school, I would walk by this man. His name was Bayram Hassan. Alors, quand je devais aller à l'école, tout le temps je passais près de cet homme, Bayram Hassan. This man was from Turkey, but he was in Romania, living there, and he was selling ice cream. Il était turc, mais il vivait en Roumanie. Et il vendait de la glace. Vanilla ice cream, chocolate ice cream, and fruit ice cream. La vanille, chocolat, des fruits. And the fruit was pistachio ice cream. Really good. I mean, really good. Et le ice cream, la glace, était de pistachio. Vraiment bon. And this man was screaming from morning to night, many times, every day, again and again and again. He would scream loud, today you pay, tomorrow is free. Et toute la journée, il criait, aujourd'hui, vous payez, demain, c'est gratuit. Oh, I believed him. I went and purchased an ice cream. And then I went next day, I said, give me my free ice cream. Et là, je l'ai cru, je suis partie, j'ai acheté mon ice cream. Et le lendemain, je lui ai dit, ben, demain, ma glace gratuite. He said, son, today you pay, tomorrow is free. Et là, il dit, aujourd'hui, tu payes. Demain est gratuit. I said, today is tomorrow. Là, j'ai dit, mais aujourd'hui, c'est demain. He said, no, today is today. Tomorrow is tomorrow. Et là, il dit, ben, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. I said, no. I came yesterday and I paid. And now I came today to get my free ice cream. Non. Hier, j'ai payé. Tu as dit que demain, ce serait gratuit. Ben yeah. Voilà, je reviens aujourd'hui. Où est ma glace gratuite? He said, that's the problem. You came today and today you pay. You need to come tomorrow. Tomorrow is free. Alors, il m'a dit, mais voilà le problème. Aujourd'hui, tu es venu, tu payes et demain, ce sera gratuit. He said, but, he says, today you pay, son. Okay, so I paid again. Et là, il a dit, aujourd'hui, tu payes. Et là, j'ai dit, OK, et j'ai payé. And then I came tomorrow again. Please give me my free ice cream because now I came tomorrow. Et là, le lendemain, je lui ai dit, bon, s'il te plaît, donne-moi ma glace parce que voilà, tu m'as dit hier que c'était gratuit. He said, you came today again. I told you to come tomorrow. Today you pay. Et là, il a dit, tu viens encore aujourd'hui. Aujourd'hui, tu payes. Demain, c'est gratuit. Today you pay. Aujourd'hui, tu payes. I said, come on, man. When is tomorrow? Et là, je lui ai dit, ah, mais enfin, ce sera quand demain? He said, hey, son, tomorrow never comes.
Il a dit, demain ne vient jamais. Why do we think that if we don't do it today, we will do it tomorrow? Pourquoi est-ce qu'on pense que si on ne le fait pas aujourd'hui, nous le ferons demain? If you really want to obey God, if you want to pray, if you want to serve, you need to do it today. If you don't do it today, it means that you will never do it. Si tu veux prier, si tu veux servir, si tu veux répondre à l'appel, fais-le aujourd'hui, pas demain. Satan is going to give you enough other things to do to keep you busy, and you will always say tomorrow, and you will never do it. Satan va toujours trouver quelque chose pour que vous fassiez, pour que vous le fassiez, pour que vous soyez préoccupé, pour que vous puissiez ne pas prendre de décision. Paul is talking to you and to me. Today, if you hear his voice, do it. Don't play games with the Holy Spirit. Dieu nous dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, réponds à sa voix. Demain. The second lesson, called out of Egypt or loving Egypt. La deuxième leçon, rester en Égypte ou sortir d'Égypte. God sent Moses to deliver Israel from Egypt. Dieu a envoyé Moïse pour délivrer Israël de l'Égypte. God sent Moses, and the spirit of prophecy says that Moses is the symbol for Jesus who came to deliver us from sin and from the world. Et l'esprit de prophétie nous dit que Moïse est un symbole pour nous délivrer du péché. And Israel is the symbol for the spiritual Israel. Et Israël est le symbole pour Israël spirituel. And Moses was sent to deliver Israel as Jesus was sent to deliver us. Moïse a été appelé à délivrer Israël comme Jésus était appelé à nous délivrer. And Egypt and Babylon are the symbol for sin for the world, and we are called out of Egypt, out of Babylon. L'Égypte et Babylone sont des symboles pour le monde, et nous sommes appelés à quitter le monde. And so, God wants us to be delivered. Dieu veut que nous soyons délivrés. Why would He want to deliver Israel? Why? Pourquoi est-ce qu'il veut délivrer Israël? Pourquoi? When Moses went to Pharaoh, he said, "Let my people go in the wilderness to serve and to worship me." Il a dit que mon peuple puisse quitter Israël pour qu'il puisse me servir. Listen carefully. To worship and to serve. Pour adorer et pour servir. What is worship? What is service? Qu'est-ce que le service? Qu'est-ce que l'adoration? Worship is our relationship with God, vertical. Service is our relationship with people, horizontal. La relation verticale représente notre relation avec Dieu. La relation horizontale représente notre relation les uns avec les autres. And worship is not only when you go to church one day a week. We should worship God every day. We should have a relationship, a connection with God every day. L'adoration ne se fait pas une seule fois par semaine, mais chaque jour. Not only on Sabbath. We should spend time with God and pray and study and worship God from morning to night, daily. Nous devrions passer du temps à adorer Dieu du matin jusqu'au soir, chaque jour. We should be connected continually, never separate. We should live in God's presence and walk with God and talk to God and worship Him and depend on Him every moment. Nous devrions prier, être connectés avec Dieu, marcher avec lui, toujours être en sa présence, sans cesse. Continually in God's presence, like people in the Bible, continually, every single day, worshiping Him. Nous devrions être en présence de Dieu chaque jour, comme ceux qui étaient dans la parole de Dieu, les héros de la foi. As soon as we separate from Christ, as soon as we stop worshiping, we are in danger. Dès que nous arrêtons de prier, dès que nous sommes coupés de sa présence, nous sommes en grand danger. Jesus says in John 15 that we should never separate from him. La Bible nous dit dans Jean 15 que nous ne devrions jamais nous séparer de lui. As soon as we separate, we are good for nothing. Dès que nous nous séparons de lui, nous ne valons rien. And you are also called to serve.
God is calling us to daily serve him and fulfill his plans and reach people around us every day. Dieu nous appelle à servir et à atteindre tous ceux qui nous entourent chaque jour. And if they had a good relationship with God, worship, and a good service with the neighbor, service, they could go in the promised land. Si jamais ils ont une bonne relation avec Dieu, qu'ils adorent Dieu et qu'ils ont une bonne relation avec leur frère, qu'ils servent leur frère, ils auront leur place dans l'éternité. They are supposed to worship and serve, and if they would worship and serve, they could enter in the promised land. Si jamais ils adorent et ils servent, ils ont une chance d'aller au royaume des cieux. But they focus so much on this life that they lost focus on worship and lost focus on service. Ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils vivent à présent qu'ils ne sont plus concernés concernant l'éternité. They are too busy with food and water and work, too busy with other things, and they had no time to worship and no time to serve. Ils étaient tellement préoccupés par la nourriture, par le travail mondain, qu'ils n'avaient plus de temps pour servir. Satan would do that to keep you busy, so you have no time to worship and no time to serve. Alors Satan va faire que nous soyons toujours préoccupés pour que nous puissions ne pas servir, pour que nous puissions ne pas adorer Dieu. And this way, they lost the promised land. Et à cause de cela, ils ont perdu la terre promise. Let's take a break of 1 second to help our translator relax a little, and we'll continue. Thank quick. You. Alors, on va prendre quelques secondes pour que le traducteur puisse se reposer un peu, la traductrice, et ensuite on reprendra. Please don't be long. Quick. Okay, thank you. Yes. Pastor Guya, we yes. have another translator who will take over in a few. Please, I appreciate very much the translators. I know it's a difficult job. Please thank them and tell them that I appreciate them. And if they could, when they don't understand, to ask me, I'll repeat again. And if they could, to pick up right away as soon as I finish, so we have no breaks between us to save time. Okay, we are ready. Thank you. Okay, let's continue. Ok, nous sommes prêts, donc continuons donc. And so, God called us to worship and to serve. Et donc, Dieu nous a appelés à l'adoration et au service. And Israel lost focus. Et Israël a perdu sa focalisation. So what happened to Israel? Let's review a little the history to learn from their history. Donc, apprenons ce qui s'est passé à Israël à travers l'histoire. God called them out of Egypt. Dieu les a appelés de l'Égypte. God called us out of the world. Et Dieu nous a appelés du monde. Come out of Babylon, my people. Et sortez de Babylone, mon peuple. And as soon as they got out of Egypt, through powerful hand. Et au moment où ils sont sortis de l'Égypte à travers une main puissante. They went through the Red Sea. Ils sont allés à la mer Rouge. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 that they were all baptized into the sea. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'ils ont tous été baptisés dans la mer. When you get out of the world, you get baptized. Quand vous sortez du monde, vous êtes baptisés. The Bible says in Mark 16, he who believes and is baptized shall be saved. Et la Bible nous dit dans Marc 16, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. It's wonderful that you get baptized. Praise the Lord. C'est merveilleux que vous ayez pris votre baptême. Louons le Seigneur. But that's not enough. Mais ce n'est pas assez. Many people get baptized and they think that's the end of the story. Beaucoup de gens prennent le baptême et ils pensent que c'est la fin de l'histoire. That's not the end of the story. That's the beginning of the story. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. When you give birth to a baby, that's not the end of the story. That's the beginning of the story.
Quand vous donnez naissance à un bébé, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement de l'histoire. The baby needs to be fed, the baby needs to be changed, the baby needs to grow. Le bébé doit être changé, il doit être nourri, il doit grandir. The reason we have so many problems in the church is that we baptize the baby and then we forget about the baby. Le problème dans l'église, c'est que nous baptisons des bébés et puis nous oublions à propos de ces bébés. It's not enough to join the church. You need to learn to work, to serve. Ce n'est pas assez de se joindre à l'église. Vous devez apprendre à servir. You need to become a disciple. Vous devez devenir un disciple. People who work, they are strong and they stay in the church. People who don't work, they either leave the church or they create problems. Les gens qui ne travaillent pas, ce sont ces personnes qui créent des problèmes ou alors ils quittent l'église. We are supposed to grow from babies to mature spiritually, to the statue of fullness of Christ. Nous sommes supposés grandir du statut de bébé à une maturité spirituelle en Christ. But there are people in the church after 40 years of being an Adventist, they are still babies. Mais il y a des gens après 40 ans d'adventisme, ils sont toujours des bébés. Still drinking milk. Et toujours en train de boire du lait. 40 years later, they are still wearing diapers. 40 ans plus tard, ils sont toujours en train de porter des couches. They sing a song and if people don't applaud them, oh, I will never come back to this church. Ils chantent un chant et si personne ne les applaudit, ils disent qu'ils ne retourneront jamais à cette église. Because they fail to grow. Parce qu'ils n'ont pas grandi. Israel failed to grow. Israël a failli et dans cette tâche de croissance. As soon as they got out of the sea, they started to murmur. We don't like this food. We have no water. You called us in the wilderness to kill us here. Aussitôt qu'ils aient quitté la mer Rouge, ils ont commencé à se plaindre et ils voulaient retourner en Égypte. And if you notice, they murmured, they complained about three things. Et ils ont commencé à se plaindre, ils se sont plaints de trois choses. Food and water. De la nourriture et l'eau. Task, their service. Le service. We cannot overcome Canaan. We cannot overcome the Amalekites. We don't have the power. They are going to kill us. Nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas cette force pour avoir la victoire sur les Amalécites et les Cananéens. And against Moses, against leaders. Et ils se sont plaints contre Moïse et les leaders, les dirigeants. They complained, they murmured about food and water, about service and about leaders. Ils se sont plaints à propos de la nourriture et l'eau, à propos du service et des dirigeants. Every time they murmured, God said that they actually murmured against God. À chaque fois qu'ils se sont plaints, Dieu dit qu'ils se sont plaints et contre Dieu lui-même. At the Red Sea, when they complained, we cannot cross the sea, God said to Moses, tell them to stop complaining. Don't they think that I am able to deliver them? À la mer Rouge, lorsqu'ils se sont plaints, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas à traverser la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, dis-leur d'arrêter de se plaindre, est-ce qu'ils ne pensent pas que je peux les délivrer? At Jericho, God said, don't you think that I can give them victory? Tell them to stop complaining. À Jericho, la même chose encore une fois, est-ce que tu ne penses pas que je peux les délivrer? They didn't believe that God is able to deliver. Ils ne pensaient pas que Dieu était capable de les délivrer. They didn't trust their God. Ils n'avaient pas confiance en leur Dieu. When they complained against Moses, quand ils se sont plaints envers Moïse, God said to Moses, they don't complain against you, they complain against me. Dieu a dit, ils ne sont pas en train de se plaindre contre toi, mais contre moi. Who allowed them to have trials in the wilderness? Who allowed them to be attacked? Who gave them Moses? God allowed them to go through those things. Qui a permis à ce qu'ils aient des difficultés, à ce qu'ils soient attaqués dans le désert? C'est Dieu qui a permis tout cela. God allowed them to go through the wilderness process to grow them, to mature, not to be babies, but to develop them spiritually. Dieu a permis à ce qu'ils passent dans le désert pour permettre ce processus de croissance pour qu'ils puissent arriver à une certaine maturité. Because these trials develop our character, faith and trust and humility and love and obedience. These trials grow us. Parce que ces épreuves permettent à ce que nous puissions former notre caractère. Et ces épreuves nous forment.
But they murmured, and every time they murmured, they lost focus on God. They fixed their eyes on problems instead of fixing their eyes on God. Et quand ils se sont plaints, au lieu de fixer leurs yeux sur Dieu, ils se sont focalisés sur leurs problèmes. Salvation is not only baptism. Le salut, ce n'est pas seulement le baptême. It's not enough to leave Egypt. You also need to get to Canaan. Ce n'est pas assez de quitter l'Égypte. Vous devez aussi atteindre Canaan. Salvation has three stages. Le salut a trois étapes. Justification, sanctification, glorification. La justification, la sanctification et la glorification. Justification is when you leave Egypt. La justification, c'est quand vous quittez l'Égypte. Sanctification is in the wilderness. La sanctification, c'est dans le désert. Glorification is when you enter Canaan. La glorification, c'est quand vous entrez en Canaan. People like to leave Egypt and like to enter Canaan, but they don't like the wilderness. Les gens aiment quitter l'Égypte et entrer en Canaan, mais ils n'aiment pas le désert. But the wilderness, it's necessary. Sanctification, we all must experience. Mais le désert est nécessaire. Nous devons tous passer par ce processus de sanctification. It's when we grow more and more and more daily like Jesus. Pour de plus en plus croître et devenir comme Jésus. Ellen White says that it's a lifelong process. It doesn't happen in a day. Ellen White nous dit que cela ne se passe pas en un jour. C'est le processus de toute une vie. And she says that the daily trials are necessary because through the daily trials, God is developing us, is growing us, our character. Et elle nous dit que ces épreuves quotidiennes sont nécessaires parce qu'elles aident au développement de notre caractère. Justification is salvation from the penalty of sin. La justification, c'est... Can you tell me one more time, Pastor, please? Salvation from the penalty, from the punishment of sin. Donc, c'est la délivrance du péché. Sanctification is salvation from the power of sin. La justification, c'est la délivrance de la puissance du péché. So, justification is salvation from the penalty, and sanctification is salvation from the power of sin. Et la sanctification, donc, c'est la délivrance de la puissance du péché. And glorification is salvation from the presence of sin. Et la glorification, c'est la délivrance de la présence du péché. Let me repeat again. I'm going to put it on the screen so it would be easier to follow. Justification is salvation from the penalty, sanctification, salvation from the power, and glorification, salvation from the presence of sin. OK, donc nous le voyons ici à l'écran pour que nous puissions le suivre plus facilement. La justification, c'est la délivrance, le salut de la pénalité du péché, des conséquences du péché, la sanctification, la délivrance de la puissance du péché, et la glorification, c'est la délivrance de la présence du péché. And we need all three. Et nous avons besoin de tous les trois. Justification takes a moment when you get baptized. La justification prend un moment quand nous sommes baptisés. But you are not a saint yet. Mais vous n'êtes pas un saint encore. You come out of the water and you still struggle with some things. Vous sortez de l'eau et vous avez toujours des soucis. Vous êtes toujours en train de lutter. You are a baby. You need to grow. Vous êtes toujours un bébé et vous avez besoin de grandir, de croître. And through the daily experiences, God is growing you. Et à travers ces expériences quotidiennes, Dieu vous aide à grandir. So stop complaining when you face trials because God is allowing them for a reason. All things work together for our benefit. Donc, quand vous passez par des problèmes, arrêtez de vous plaindre parce que c'est Dieu qui permet et à ce que vous ayez ces soucis. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. When you complain against God. Quand vous vous plaignez contre Dieu. Because God allows those things. Parce que Dieu permet ces choses. God, nothing happens by chance. All things work together. If God allowed it, then you need it. Donc ce n'est pas de façon aléatoire que cela se passe. Dieu permet ces choses. God allowed them to develop your character in order to prepare you for heaven. Dieu permet ces choses de se passer dans vos vies pour vous préparer pour le ciel. As soon as we face some trials, we say, Lord, please solve this problem. Instead of saying, Lord, even if it hurts,
please help me learn the lessons that I need to learn. Nous disons, et souvent, Dieu enlève ses problèmes, s'il te plaît, mais nous devrions dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à apprendre les leçons que j'ai besoin d'apprendre. Justification is a moment. Sanctification is a life. Glorification is an eternity. La justification, c'est un moment. La sanctification, c'est toute une vie. Et la glorification, c'est l'éternité. And in order to be in eternity, you need to go to the wilderness. Et pour pouvoir faire partie et de l'éternité, nous devons passer par ce désert. But we don't understand that we need the wilderness process. Mais nous ne comprenons pas que nous avons besoin de ce désert. And they got to Kadesh Barna. Et ils sont arrivés donc à Kadesh Barna. And there God, they sent 12 spies to see the country, to see Canaan. Et ils ont envoyé 12 espions pour voir le pays de Canaan. And then the spies came back and 10 focused on the problems and 2 focused on God. Et quand les 12 espions sont retournés, 10 de ces espions se sont focalisés sur les problèmes et 2 se sont fixés sur Dieu. 10 of them said, oh, the country is beautiful, but there are giants and there are big walls and big armies. They will kill us. We cannot get the country. We cannot. Et les 10 vont dire que le pays est un beau pays, mais il y a des géants, il y a des hautes murailles, il y a des armées. Nous ne pourrons pas vaincre ce pays et le prendre. They didn't trust that God could give them victory. Ils n'avaient pas confiance et ne croyaient pas que Dieu pouvait leur donner la victoire. They prayed, but they had no faith. Ils ont prié, mais ils n'avaient pas la foi. They didn't trust that their God is able to deliver. Ils ne croyaient pas que Dieu était capable de les délivrer. That God is able to forgive and God can change a heart. That God can save even the uttermost. Que Dieu est capable de pardonner et même de délivrer même plusieurs personnes les plus mauvaises. If God saved the thief on the cross, if God saved the woman at the well, if God saved Zacchaeus, God can save you too. Si Dieu a pu sauver Zachée et s'il a pu sauver celui sur la croix ainsi que la femme au puits, il peut aussi vous sauver. You don't need to understand how he does it. You need to learn to trust God. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment est-ce qu'il le fait, mais vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. You need to trust that all things work together, that God is using those things to grow you. Vous devez comprendre que Dieu utilise ces choses pour vous aider à grandir. When God sends you to work, you don't need to say, oh, I am not trained. You need to trust that God would enable you. Et quand Dieu vous dit d'aller travailler, vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas formés, mais nous devons avoir confiance que Dieu peut nous utiliser. But they looked to problems, they looked to people, they looked to self, and they said, we cannot do it. Et mais ils ont regardé les problèmes, ils ont vu les problèmes, ils ont vu le moi, ils ont dit, nous ne pouvons pas vaincre, avoir la victoire. Because when you fix your eyes on the problems, you lose faith. Parce que quand nous focalisons sur les problèmes, nous perdons la foi. Two of them said, remember how God has led us in the past. Remember how he split the sea. Remember how he fed us with manna from heaven in the wilderness. Remember and trust that God will give us victory again. Et les deux ont dit tout simplement, rappelez-vous comment Dieu nous a conduits dans le passé. Rappelez-vous comment Dieu a séparé la mer Rouge, comment il nous a donné la manne du ciel, et rappelez-vous comment est-ce qu'il est capable de nous délivrer, de nous donner cette victoire. We have nothing to fear unless we shall forget how God has led us in the past. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit, à moins que nous n'oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Fix your eyes on Jesus. Don't fix your eyes on problems. Gardez les yeux fixés sur Jésus et non sur vos problèmes. Because when you understand, when you put your eyes on Jesus and you understand how good, how powerful, when you remember how he has led you in the past, you trust that he will lead you again. Parce que quand vous vous rappelez comment est-ce qu'il vous a conduit dans le passé, vous avez confiance en lui et qu'il peut à vous conduire encore. They didn't perish because of the giants and the walls. They perished because of unbelief. Ils n'ont pas péri à cause des géants et des hautes murailles, mais ils ont péri à cause de leur manque de foi.
Nobody will lose heaven because of the challenges, but because not trusting God. Personne ne perdra le ciel à cause de nos problèmes, mais à cause de notre incrédulité. We are saved by grace through faith, and without faith, it's impossible. Nous sommes sauvés par grâce, et sans la foi, cela est impossible. We need to trust, though we may not understand, that God is able to save. Même si nous ne comprenons pas, nous devons avoir confiance que Dieu est capable de sauver. Though you don't understand, you need to trust that God is loving you and He is working on you. Même si vous ne comprenez pas, vous devez avoir confiance que Dieu vous aime et qu'il est en train de travailler dans vos vies. We are not saved by what we do. We are saved by what He does. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, mais par ce que Lui fait. And He who started this work in you, He is able to finish it. Et celui qui a commencé ce travail en vous est capable de le terminer. Your job is to trust in Him and to remain in Him. Votre travail, c'est de lui faire confiance et de rester avec lui, uni en lui. Because separated from Him, you can do nothing. Parce que si vous êtes séparé de lui, vous ne pouvez rien faire. Abide in Him. Donc, restez avec lui. Christ in you, the hope of glory. Christ en vous, cette espérance de la gloire. He who has Christ has life. Celui qui a le Christ a la vie. Let me read a quotation for you. And that quotation would apply it to Israel, to our lives. Laissez-moi vous lire une citation qui s'applique à Israël et à nos vies aussi aujourd'hui. God did not design his people to wander 40 years in the wilderness. Ce n'était pas le dessein de Dieu que son peuple Israël devait passer 40 ans dans le désert. He wanted them to go straight quickly to Canaan and to be happy. Et il voulait qu'ils aillent directement à Canaan et qu'ils soient heureux. But they didn't enter because of their unbelief. Et ils ne sont pas entrés à cause de leur manque de foi. They started to murmur and then to rebel and this way they could not enter. Et ils commençaient à murmurer, à se rebeller et de cette façon ils ne pouvaient pas entrer. Now listen carefully to this part. Et écoutez attentivement cette partie. For 40 years, unbelief, murmuring, and rebellion kept them out of Canaan. Et pendant 40 ans, les murmures et la rébellion les a gardés hors de Canaan. The same sins have delayed modern Israel from entering in the heavenly Canaan. Et les mêmes péchés a gardé à l'Israël moderne à entrer dans le Canaan céleste. Who is modern Israel? Qui est le Canaan moderne? It's you and me. C'est vous et moi, l'Israël moderne. In neither case were the promises of God at fault. Ce n'est pas les promesses de Dieu qui sont en faute. It is unbelief, lack of consecration, worldliness, strife, murmuring among God's professed people that keep us in this world. Et c'est le manque de foi, les murmures, la rébellion qui nous gardent toujours dans ce monde. Evangelism, page 696. Évangélisation, la page 686. God could have come long ago, but our lack of faith, our murmuring, our complaining, fixing our eyes on problems, keep us in this world. Dieu aurait pu retourner il y a bien longtemps de cela, mais nos murmures, nos plaintes et notre manque de foi sont toujours en train de nous garder ici-bas. It was easy for God to pull them out of Egypt. It was difficult for God to pull Egypt out of them. Ah, c'était possible de les enlever d'Égypte, mais c'était difficile pour Dieu d'enlever l'Égypte de leur cœur. How long did it take them to get into Canaan? Combien de temps est-ce que cela a pris pour entrer en Canaan? 40 years. 40 ans. When I was there visiting, I asked the guide, how long does it take to walk from Egypt to Canaan? Quand j'étais en train de visiter cet endroit, j'ai posé la question au guide, combien de temps est-ce que cela prend pour marcher de l'Égypte à Canaan? He said, if you walk fast, 13 days. If you are old and slow, 17 days. 17 days! Et donc, si vous marchez rapidement, cela prend seulement 13 jours. Si vous êtes un petit peu plus âgé et un petit peu plus lent, ça prend 17 jours. 17 jours seulement. OK, 20 days. Allons dire 20 jours. Or a month. Ou un mois.
But it took them 40 years to go around and around and around until they all died. Et cela a pris 40 ans pour qu'ils fassent le tour et tournent en rond et tournent en rond jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Ellen White says Jesus could have come long ago, but we are not ready yet. Et Ellen White nous dit que Jésus aurait pu retourner il y a longtemps de cela, mais nous ne sommes pas encore prêts. Jesus is coming again. We need to be ready. Jésus revient bientôt. Nous devons être prêts. How many of them left Egypt? Combien d'entre eux ont quitté l'Égypte? It says in the Bible 600,000 men. Dans la Bible nous dit 600 000 hommes. Because they counted only men that would go to army. Parce qu'ils comptaient seulement les hommes qui allaient à l'armée. They didn't count ladies, children, elderly. They counted only men that would go to army. Ils comptaient seulement les hommes qui allaient à l'armée et ne comptaient pas les femmes et les enfants et les plus âgés. History says that all together, with children and elderly and girls and women, all together, over 2 million people. À l'histoire, nous dit qu'en incluant toutes ces personnes, il y avait environ 2 millions. How many of them entered Canaan? Combien d'entre eux sont entrés en Canaan? Only two. Seulement deux personnes. Why? Because God was unable to save them? Pourquoi? Parce que Dieu était incapable de les sauver. Or because they fixed their eyes on problems instead of fixing their eyes on God. Ou alors c'était parce que ils se sont focalisés sur le problème au lieu de fixer leurs yeux sur Dieu. Unbelief. Le manque de foi. Last lesson and we finish. Going up or going down? La dernière leçon et puis je terminerai. Monter ou descendre? Why did God allow the wilderness process? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ce processus de passer par le désert? Why would God allow trials in our daily life? Pourquoi est-ce que Dieu permettrait les problèmes dans nos vies? To teach them to let Egypt go. Pour les enseigner à laisser l'Égypte partir, à laisser l'Égypte derrière eux. To teach them to fully trust in God instead of trusting in their methods and themselves. Pour les enseigner à faire confiance à Dieu au lieu de leur propre méthode. To teach them to live a godly lifestyle. Pour les enseigner à vivre une vie et une vie avec Dieu. What is a godly lifestyle? The New Testament calls it the fruit of the Spirit. Qu'est-ce que c'est qu'une vie avec Dieu? La Bible nous dit que c'est le fruit de l'esprit. Not the fruit of the human nature, but the fruit of the Spirit. Pas le fruit de la nature humaine, mais le fruit de l'esprit. How do you produce the fruit of the Spirit? Comment produire le fruit de l'esprit? You cannot stop trying to produce the fruit of the Spirit. Vous ne pouvez pas arrêter d'essayer de produire le fruit de l'esprit. It's the fruit of the Spirit. It's not yours. It's of the Spirit. Only the Spirit produces the fruit of the Spirit. Seulement l'esprit produit le fruit de l'esprit. Ce fruit, ce n'est pas le vôtre. If you are an apple tree, don't try to make bananas. You'll never manage. You need to be a banana tree to make bananas. Si vous êtes un pommier, n'essayez pas de produire des bananes. Vous devriez être un bananier pour produire des bananes. People try and they never manage. Les gens essayent, mais ils n'arrivent pas. You need to pray daily to be baptized with the Spirit, the Comforter, the Jesus. You need to be filled with the Spirit, and the Spirit in you will produce the fruit of the Spirit. Vous devez prier pour être quotidiennement rempli du Saint-Esprit. Alors vous produirez le fruit de l'Esprit. You need to be filled with God's presence in order to produce the fruit of the Spirit. Vous devez être rempli de la présence de Dieu pour pouvoir produire le fruit de l'Esprit. You need to surrender daily, and only then the Spirit would be able to produce the fruit of the Spirit. Vous devez vous abandonner quotidiennement à Dieu, et là vous pourrez produire le fruit de l'Esprit. You need to be filled with heaven. Vous devez être rempli du ciel. In order to be ready for Canaan, you need to live now as you live in heaven. Pour pouvoir atteindre à Canaan, vous devez vivre maintenant comme si vous avez quitté l'Égypte. People in the Bible walked with God. Les gens dans la Bible ont marché avec Dieu. Continually communicating, continually in God's presence. En étant en constante communication avec Dieu et étant constamment en sa présence. Let me finish because our time is up. Let me finish with a story. Laissez-moi terminer avec une histoire. You see, there is a quotation in the spirit of prophecy that says, those that walk with God and talk to God, they live in an atmosphere of heaven.
Il y a une citation dans l'esprit de prophétie qui dit que ceux qui marchent avec Dieu et parlent avec Dieu, ils sont dans cette atmosphère céleste. Continually filled with God's presence. Ils sont remplis de la présence de Dieu constamment. And they live now here as they live in heaven. Et ils vivent ici-bas comme ils vivent, comme s'ils vivaient au ciel. An atmosphere of heaven around them. Une atmosphère céleste autour d'eux. You can sense that they walk with Jesus. Vous sentez qu'ils marchent avec Dieu. You see, in 1977, there was an earthquake in Romania. En 1977, il y avait un tremblement de terre en Roumanie. It was strong, 7.3 or 4 on Richter scale. Et c'était un tremblement de terre assez conséquent, 7.3 sur l'échelle de Richter. 1 minute and 16 seconds long. 1 minute et 16 secondes. Many buildings collapsed, many people died. Et il y avait beaucoup de morts et plusieurs bâtiments qui se sont écroulés. When the earthquake started, buildings started to break and to fall. Et quand le tremblement de terre a commencé, les bâtiments commençaient à s'écrouler et à tomber. We lived in a tall building at the fourth story, at the fourth level. Nous vivions au quatrième étage d'un bâtiment. And when the building started to move, it started to throw us from the left wall to the right wall. Et quand le bâtiment a commencé à bouger, il nous a secoué de gauche à droite. My mom started to scream, Lord, if we die, forgive my sins so I could be saved. Et ma maman a commencé à prier, Seigneur, si nous mourons, pardonne mes péchés pour que je puisse être sauvé. My father started to sing, Rock of ages cleft for me, left, let me hide myself in thee. Et mon papa aussi a commencé à chanter ce cantique. And my mom said, how can you sing? Et ma maman a posé la question, comment est-ce que tu peux chanter? And my father said, I open my mouth and it comes. Et mon papa a dit, j'ouvre tout simplement ma bouche et ça sort. And my father said, this is not the time to prepare. You don't prepare in crisis for the crisis. You need to prepare every day for the crisis. You don't wait until the last moment. Et mon père a dit que ce n'est pas possible de se préparer au dernier moment. On ne se prépare pas pour une crise. Pendant une crise, nous devons être prêts à chaque jour. You confess your sins every day. You don't wait until the end. Vous confessez vos péchés tous les jours et ne pas attendre à la fin. You solve your problems with God and people every day. Vous tentez de résoudre vos problèmes avec les gens chaque jour. You pray and study every day. Vous priez et vous étudiez chaque jour. You go through challenges and you put your eyes on God and learn to trust in God every day. Et vous apprenez à faire confiance à Dieu et à faire face à vos problèmes chaque jour. If you don't learn to trust God in daily challenges, you are not going to trust Him in the final crisis. Si vous ne faites pas confiance à Dieu dans les problèmes de tous les jours, vous n'allez pas pouvoir lui faire confiance dans la crise finale. You serve Him every day. You don't wait until the crisis to serve Him. Vous le servez et chaque jour, vous n'attendez pas la dernière crise pour le servir. You don't grow instantly when the crisis comes. You grow every day. Et vous croissez et chaque jour, vous ne grandissez pas d'un seul coup à la dernière crise. That's how you prepare. You prepare every day, not when the earthquake starts. Vous vous préparez comme cela, pas quand le tremblement de terre arrive. And as my father was talking to my mom during the earthquake, somebody knocked in the door. Et alors que mon père parlait à ma mère, quelqu'un a frappé à la porte. Who could knock in the door during the earthquake? Qui pouvait et frapper à la porte pendant un tremblement de terre? My father opened the door and it was our next door neighbor and her family. C'était donc nos voisins, mon voisin et sa famille. Mr. Goya, can we come inside in your apartment? Monsieur Goya, est-ce que nous pouvons entrer dans votre appartement? Why do you want to come inside? Everybody is running down outside the building. Why do you come in inside? Et pourquoi est-ce que vous voulez entrer dans notre appartement? Tout le monde est en train de courir dans tous les sens et de se sauver. Pourquoi est-ce que vous voulez entrer dans notre appartement? Because if we are in the building and it collapses, we die. And if we run outside, there are tall buildings next to each other and they fall on us and we still die. Parce que si le bâtiment s'écroule et nous sommes à l'intérieur, nous allons mourir, mais dehors, les bâtiments aussi vont s'écrouler les uns sur les autres et nous allons mourir quand même. But why do you think that it's safe in my apartment?
Mais pourquoi est-ce que vous pensez que vous serez en sécurité dans mon appartement? And the lady said, when we fight, we hear you praying and singing. We know you help the poor. We know that God lives in your home. Nous savons que Dieu vit dans votre maison parce que nous vous entendons à prier et chanter, surtout lorsque nous sommes en train de nous disputer. You are a man of prayer. You care for the neighbors. You pray for us. We can see Jesus in you. Vous priez et vous êtes un homme de prière et nous savons que vous vous souciez et de vos voisins, vous priez pour nous et nous voyons Jésus dans votre maison. And there is always heaven in your home, always peace and joy. Heaven lives in your house. Et il y a toujours cette atmosphère du ciel dans votre maison. Il y a toujours de la paix, de la joie, de l'amour. We know that God is with you. Nous savons que Dieu est avec vous. And therefore, we think this is the single safe place in the whole building. Et donc, nous pensons que c'est l'endroit le plus sécurisé de tout le bâtiment. So my father said, come in. Et donc, mon père a dit, entrez. Let's sing together. Chantons ensemble. And she says, you can sing during the earthquake? And my father said, yes. Even if 10,000 would fall on the right, if God is with us, we have no reason to fear. Et mon papa a dit, oui, nous pouvons chanter, même si 10 000 tombent à notre droite, nous n'avons pas à avoir peur. And as they started to sing together, Rock of Ages, clap for me, let me hide myself in thee, the earthquake stopped. Et alors qu'ils ont commencé à chanter et ce cantique, le tremblement de terre s'est arrêté. And my father looked to the neighbor and said, now go home and don't wait until the next crisis. Make sure that heaven moves in your heart and in your family and in your house too. Et mon père lui a dit, rentre à la maison et assure-toi de ne pas attendre la prochaine crise, que le ciel puisse te suivre et entrer dans ta maison. Don't wait for the crisis. Invite heaven today in your house. N'attendez pas la crise, invitez le ciel aujourd'hui dans vos maisons. We should never wait for the crisis to prepare and to pray and to study and to serve. Nous ne devrions jamais attendre la crise pour prier, pour servir. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. And God is calling you today. And if you hear his voice, you need to act on it today. Et Dieu nous appelle aujourd'hui. Et si vous entendez sa voix, vous devez agir aujourd'hui. And it's good to be baptized, but it's not enough. C'est bien d'être baptisé, mais ce n'est pas assez. You need to learn to worship. You need to learn to serve. You need to grow. Vous devez apprendre à adorer, à servir et à croître. That's how we prepare for the promised land. Voilà comment nous pouvons nous préparer pour le pays promis. Jesus is coming soon. Parce que Jésus revient bientôt. And we need to be ready today. Et nous devons être prêts aujourd'hui. Let's pray together. Prions ensemble. Father in heaven. Notre Dieu, notre Père. You are able. You are able. You are able to forgive. You are able to save. You are able to transform. Tu es capable de pardonner, de sauver. You are able to give us victory. Tu es capable de nous donner la victoire. Nothing is too big for you. Rien n'est trop grand pour toi. When you go to heaven, we are going to throw our crowns at your feet and we'll say, we don't deserve it. Et quand nous serons au ciel, nous allons te dire que nous ne le méritons pas. You are able to save. Mais tu es capable de sauver. Please help us focus on you, not on problems. Et aide-nous à être fixés sur toi et non sur nos problèmes. Help us focus on the service that, or the mission that you gave us. Aide-nous à nous focaliser sur le service et la mission que tu nous as donnée. Because Jesus is coming soon indeed. Parce que Jésus revient bientôt. We pray in Jesus' precious name and merits and thank you, Lord. Nous prions dans le nom précieux de Jésus et nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen. I would like to express my gratitude to Pastor Pavel Kugoya for the message that we have received this afternoon. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Pasteur Pavel Goya pour le message que nous avons entendu cet après-midi. I'm sure you will agree with me that we all felt the presence of the Lord amongst us.
Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que nous avons ressenti la présence de Dieu parmi nous. But above all, that God has been speaking to each and every one of our hearts. Mais au-dessus de tout, Dieu a parlé à nos cœurs. Indeed, we can see that every one of us have been called to serve. Nous voyons véritablement que chacun d'entre nous avons été appelés à servir. And that this is one of the keys for our spiritual growth as well. Et que c'est l'une des clés pour notre croissance spirituelle. So we would like to invite you to continue to attend our presentations. The next one will be tomorrow afternoon, and it will be starting Mauritius time at 4 p.m. Till a little after 6 p.m. Nous voulons donc vous inviter à notre prochaine présentation aussi, qui aura lieu demain à partir de 16 heures jusqu'à 18 heures. And the focus will be on church growth through prayer. Et nous allons nous focaliser sur la croissance de l'Église à travers la prière. I encourage everyone to be here. That's one we do not want to miss, because this, I believe, is the secret, this is the key, and the Lord is able to do powerful things when we come together as a church and pray. C'est la présentation que je ne voudrais pas que vous manquiez, et car c'est l'un des secrets et la clé, et nous devrions être présents. And so, once again, all the leaders, we encourage you to involve as many of members as possible. This will be our last session. We do not want anyone to miss out. We want them to be there, and all our leaders will meet on, tomorrow will be on Zoom once again. So you will utilize the very same link that you used on Friday night. Et donc, j'encouragerai les dirigeants à participer à cette dernière présentation. Demain, nous allons utiliser le même lien que vous avez utilisé hier vendredi pour accéder à la session du Zoom. So God bless you. We wish you a wonderful remainder of the Sabbath. And as we go, we will just pray and ask the Lord to continue to impress His word upon our hearts. Et que le Seigneur vous bénisse alors que nous terminons par la prière pour demander à Dieu de continuer à nous bénir. Thank you, dear God, for your presence with us and your word to our hearts. Merci, Seigneur, pour ta présence et ta parole dans nos cœurs. Convict us, dear Lord, and convert us, we pray, today, not tomorrow. May we experience revival and reformation, for we pray this in Jesus' name. Amen. Nous te demandons à que nous puissions faire l'expérience de ce renouveau, de ce réveil, de cette réforme dans nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.